Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Yacine en mission. Salam, salam. Pour une des premières fois, on va se mettre ensemble, toi et moi. On est ensemble, ok? Coéquipiers, ensemble. Pas de couilles, pas de pièges, ok? C'est à toi qu'il faut dire ça. Regarde-toi toi-même et dis ça à toi-même parce que toi, t'es le mec le plus instable au monde. Non, je suis avec toi. À tout moment, il peut me faire une dinguerie. On se met à nous deux contre ma petite sœur. On lui fait croire qu'on part en vacances. Oh, on l'emmène dans un endroit de merde. Pas ça. Tout, mais pas ça. Si, on lui fait elle croire. Elle va péter un câble. Je la connais par cœur. Vas-y, t'inquiète. Elle attend les vacances comme si c'était un truc de ouf et si tu lui fais ça. En gros, on la met bien au début et après on lui fait ça. Viens, on va la voir, elle est dans son lit. Vas-y. Bah après, moi, attends. Myriam, si tu regardes la vidéo, c'est moi qui ai eu l'idée. Myriam qui a eu l'idée. Voilà. Mais je rigole, c'est un prank. T'es sûr de toi? Je tiens la caméra. T'es sûr de toi? Ouais. Myriam? Myriam? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu dors l'après-midi, toi? Ton petit cordage de faut que tu sois... Les vacances, c'est pas que ça, Myriam. Faut sortir de la chambre un peu. C'est Myriam. Que. C'est... Elle croit, c'est... Tu crois c'est que tablette et. Vas-y, on a une surprise pour toi. On a une surprise pour toi, Myriam. Quoi? Viens, il y a un repas. Lâche-moi! Viens, on va manger dehors à Burger King. La Big Hell Lefa, là. Je sais que t'aimes bien manger. Comment ça, Burger King? KFC, c'est pas Hell. Non, KFC, c'est mieux KFC. C'est rien, Big Mac ou deux de temps en temps. Non, KFC, c'est mieux. Les gars, il y a du poisson, moi, j'ai du poisson. Allez, Myriam, viens. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens pas? Vas-y, bon, moi, je sens toi, hein. Tu viens pas. Vas-y, je vais péter tes techniques par casse-lève. On mange sans toi, c'est bon. On va à KFC, de KFC, on. Oh. Et de KFC, on va t'annoncer une surprise, vas-y, viens. Prends ton argent, Myriam. Et ouais, j'ai pas beaucoup d'argent de poche. Prends, c'est pas grave. Ça y est, t'es grande maintenant, t'as de l'argent de poche, faut t'en servir. Prends ton argent. Pourquoi tu fais? Pour que les gens voient comment t'as creux. Pour une fois que mes frères ils me font une surprise, c'est trop génial. Allez, attache-toi bien. Attends, les gars, vous voyez son regard innocent, j'ai pas envie de la prank. Vas-y, ça se fait pas. Non, vas-y, ça se fait. Moi, je vais te payer à manger. Tu m'as dit t'as faim. Tu vas prendre ce que tu veux, ok? Mais vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui paraît? Il y a des nouvelles glaces. Vas-y, go. Ça, j'ai jamais été ici. Tu manges sur place. Ouais. Est-ce que t'as la carte de fidélité? Bah non, logique. Alors, on va prendre les offres du moment. Hop. Est-ce qu'on peut voir une glace aussi avec? Par contre, on va te prendre au poisson. Pourquoi tu me touches les cheveux? On va prendre ça, Boxmaster. Oui. J'aime trop ça. Pulco, tu vas tester. Quoi? On a la commande 134 et à chaque fois que je vais manger dehors, la dame elle me dit est-ce que vous voulez un truc gratuit? Là, elle nous a demandé une glace gratuite. Mais j'ai dit non, vu qu'on en a déjà pris une pour elle. Et moi, je peux pas manger tous les jours de la merde. Après, je vais patate ou fionnaise. Vous voulez pas que je sois patate ou fionnaise? Si. Tu m'aimeras bien en gros comme ça? Avec un double menton? Non, c'est ce que je pensais. Ça arrive. En vrai, j'ai la haine. Je suis en train de sentir là, j'ai grave faim. J'ai faim. Belle journée qui s'annonce pour toi. Hein. Alors, je te présente le plateau. On a une glace, viens voir, à moitié chocolat, à moitié vanille. Elle est toute petite parce que t'es petite, frère. Après, tu vas me dire, j'en veux pas, tu veux finir. On a des frites, on a la sauce originale du KFC. Et regarde ce qu'on a ici. Des boules de mozzarella, mon pote. Et ça, c'est plutôt incroyable. Je suis en train de me dire que KFC, c'est mieux que le McDo, on dirait. Alors, c'est quoi ta surprise? Déjà, mange après, je te dis la surprise. Non, ouais. Dis-la moi, on va tester la sauce. Waouh, ça sent grave bon. Bah toi, tu trouves que ça sent pas ça, bon? Ça sent vinaigre. Ça sent bon. Test en direct. C'est chaud. Bon. What? Putain, y a de la mozzarella les gars. J'ai toujours rêvé de faire ça. Waouh! Oh my god! Incroyable! Tu es si t'enverses pas! Attends, je te les ouvre comme ça refroidit. Bah, en vrai, commence par la glace. Ma soeur. Tiens. Prends à moitié chocolat, à moitié vanille. Oui, c'est ce que j'allais faire. Et trop bon! Tu fais quoi là? Tu joues à quoi là? Enlève ta main. C'est moi le grand frère ici. Trempe bien dans la sauce, mais une bonne sauce. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend là. Ça se voit, c'est da. C'est grave bon. Ouais. T'as vu? Elle a le goût quoi? Ouais. Elle a le goût comme de la mayonnaise mélangée avec un truc.
Ah ouais, ouais, je crois que je vais venir la prochaine fois. Hein. Prochain cheat meal avec les petites frites. Dis-nous si elles sont bonnes les frites. Bon, vas-y, je vais lui annoncer la surprise. Myriam, tu vois bien qu'on est au restaurant. Oui. Il n'y a personne. Ouais, tu peux filmer, il y a vraiment personne. Les gens, ils sont où à ton avis là? En vacances. Les gens, ils sont tous en vacances. Et nous, je t'annonce la bonne nouvelle, on part en vacances. Nous tous? Toi, on part tous en vacances là. Et aujourd'hui, on fait toutes nos provisions et on se casse à la fin de la journée là. Mais moi, j'ai rien. Comment ça, t'as rien? J'ai pas de maillot de bain, t'as? Si, j'ai des maillots de bain, mais il faut d'autres trucs. Vas-y, bon, on va aller acheter. T'as pris ton argent de poche? On va aller au magasin, t'achètes tout ce qu'il te faut. Et on se barre en vacances. On se barre au soleil, comme tout le monde. Y'a personne, y'a que pays. Quel pays? Je peux pas te le dire, tu verras ce soir. Yes! Let's go. T'as pris ton argent de poche? Vas-y, on y va. On va te prendre des affaires. T'achètes tout ce que t'as besoin. Maillot de poche, je suis pas sûr qu'il va encore. T'achètes tout ce qu'il te faut, ok? Bon, Myriam, t'as besoin de quoi? Il y a quoi? Comme ça, je vais te tirer dessus pendant les vacances. Non, ça va aller. On n'a pas le droit dans l'avion et tu tout. Tu vas me courir les vacances avec ça. Regarde là, t'as plein de trucs. Les valises, on a ce qu'il faut ou pas? Ah là, ça va aller depuis longtemps. Ah ok, vas-y. Moi, là, regarde, t'as des trucs là, si tu veux des pareos, des je sais pas quoi là. Pareos. Ouais, avec ton argent de poche, t'as combien toi à peu près? T'as combien ton argent de poche? J'ai beaucoup. Il y a même des bandanas si tu veux. Ouais, comme ça. Là, tu peux rentrer chez les. Ça, si tu rentres chez les Blues. Ah, il a trouvé son nom. T'as trouvé quoi? Non, rien, je vais regarder un truc vite fait. Bon, mais Myriam, vas-y, là, après, accélère. Bon, alors, on va aller voir là. Pourquoi tu sors de la piscine comme ça, après tu mets ça? Ouais, vas-y, go, hein, c'est ton argent, tu penses que tu veux. C'est vrai que là, il va faire chaud là. Hein. Les petites lunettes de soleil, en plus, elles sont à 15 balles. Essaye celle-là. Ah, elles sont belles, elles sont vraiment impeccable. Belles. Prends-les. Ouais, j'avoue, obligé ça, hein, pour le soleil. Tiens, regarde, il y a celle-là, essaye-la. Malade. En plus, regardez, elle va avec son. Je mets pas du parapluie. Regardez. Fais voir, Myriam. Ah mais j'avoue, c'est Barbie. En plus, c'est serré. Ok, bah j'en ai une meilleure. Tiens, celle-là. Elle est impeccable, celle-là. C'est un bébé cadeau. C'est pas un bébé cadeau, c'est New York. Ah, genre, elle a grandi. Ou sinon, tu veux un chapeau? Ou un bob? Bah, essaye ça. Ouais, le chapeau. Fais voir, Myriam, comment ça donne. Oh, ça flingue. Impeccable, vas-y, prends ça. Oui. Aussi, hein. Elles sont belles, les roses. Ouais. Les roses comme ça, là. Regarde s'il y a sa taille. 34. Attends, je vais essayer de faire. Non mais t'as pas besoin d'essayer, t'inquiète, ça va t'aller, on est pas tes chaussures, après faudra les remettre. Tu veux voir comment elles sont? Ouais, je valide avec validation. Non, en vrai ça tu vas. Vas-y, bah mets-les dans le panier. Mais j'aurai plus d'argent après. L'argent ça va, ça vient, t'inquiète pas, c'est reste pas ça le plus important. L'argent ça sert à être dépensé, hein, c'est pas pour garder dans ta poche. Et vous prenez rien? Non, on a tout. Je vous ai dit qu'il était vraiment fou celui-là, qu'est-ce que tu fais avec un couteau? Non, c'est pour couper la viande, il est bien celui-là. Et moi je vais peler. Non, il fait toute ma tête. Je vais le peler. Ouais, ça sert à rien. Bon, c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut. Non, ça on peut pas prendre ça pour le. Comment elle est contente? Dans l'avion, ça va pas passer. Bon, allez, c'est parti, on y va. On y va. Les vacances. Voilà, comme ça, là, t'es prêt à aller en vacances. Bon, là, écoute-moi bien. Tu vas fermer tes yeux, tu vas aller dans le coffre. Non, t'es fou, toi. Non, pas dans le coffre. Tu vas t'asseoir derrière. On va te mettre un bandage où Yassine, il va s'asseoir derrière à côté de toi, il va te fermer les yeux. Je t'emmène dans la destination, on a rendez-vous en vacances, là. Je t'emmène dans le prochain pays où on va. Ok, là, on y va, là. Let's go, on a tout ce qu'il faut. Vas-y, s'il te plaît, Yassine, va à côté d'elle. Non, va à côté d'elle. J'avance le siège. Ah, ok. Regarde, elle va tricher. Voilà, marche-le. Impeccable. Hey, t'as pris, tu fais de la musculation? Non, je suis la maladie. Ah. Vas-y, mets-toi bien à côté. Viens. Au milieu, sale tricheuse. Je crois que je te connais pas. Je compte sur vous, hein. Bien. Pas tricher. Voilà, à partir de maintenant, tu vas être comme ça. Mets ta ceinture d'abord. Le voyage se passe bien, ça va? Ouais, ça va. Voilà, le train, il est là. Tu peux voir le train, tu peux ouvrir tes yeux. Va. Regarde, il y a le train. On va devoir prendre le train. Allez, let's go. On y arrive bientôt. Là, je vais te demander de fermer les yeux maintenant. Yassine, il va s'occuper de te fermer les yeux. Et tu vas me voir où il y a des trucs. A few moments later. Bon, Myriam, à partir de là, on change de pays. Bienvenue en vacances, bienvenue dans ton nouveau pays, fais le pas. Garde les yeux, hein, garde les yeux quand même. Faut changer. Tu sais, elle sait parler anglais ou pas? Tu sais parler anglais? Oui. Vas-y, parle. Hello, what's your name? Ok, dès que tu vois quelqu'un, faudra parler anglais. Hein. Ouvre les yeux. Bienvenue en Australie. Il y a des kangourous et tout. Il y a des kangourous, des trucs là-bas. Des serpents, des. Et je vais vous. Une araignée! Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Qu'est-ce que tu fais? On va en vacances, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me tapes? Je t'en mets une, pas deux. Pourquoi? Je suis débile.
Pourquoi t'es débile? On est en France. Mais n'importe quoi. En Australie. Et si je refais le chemin là, on va pas arriver jusqu'à la voiture? Bah non, on est dans un pays différent. Tu veux que je te montre la piscine? Vas-y, et la plage? On lui montre, Yacine? Vas-y, go. T'as ton maillot de... Bon, c'est pas grave, on va te la montrer, vas-y. Hello. Good morning. T'as vu, je t'ai dit, elle m'a dit good afternoon. On arrive à la piscine. C'est une piscine ou une plage, ça? Ça, c'est les deux, en fait. Regarde, viens, on va faire prochain. C'est une plage sans vagues. Ouais, c'est une plage sans vagues. Voilà, j'espère que t'es... Dommage, t'as pas pris ton maillot de bain, t'as pas un plongeon. On t'es prête? 3, 2, 1. La piscine de l'Australie. Bon, la couleur, elle est un peu particulière, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, Yonis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un prank. C'est des vélos. Viens, il y a des vélos. Viens, pleure pas, c'est un prank, c'est pour rigoler. On rigole. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dédiacie. Arrête de mentir. J'ai gaspillé tout mon argent à cause de vous. Mais je vais t'en passer de l'argent. T'as gaspillé combien? 100 euros, la mytho. Vas-y, viens, on va dans la voiture, je vais te donner de l'argent. On est bien rentré. Pourquoi t'as été dur à maman? Ça se fait pas. C'était juste un prank. Moi, je te donne pas d'argent pour la paix. Tiens, vas-y, tiens. Moi, je vais vous laisser à la famille. Je savais que c'était une bonne idée. Aïe, aïe. Je retape une fois, tu vois, je te donne même pas d'argent. Tiens, là. Ça vaut 100 euros, ça. C'est un jeton de Lidl. Non, vas-y, tiens, je te donne un billet. Tiens. C'est bon, 100 euros. Bon, moi, je vous laisse à la famille. N'oubliez pas de liker. Si vous... Non, en vrai, si vous voulez vraiment qu'on aille en vacances, on met combien de pouces bleus? 10? Allez, Maline, bah, 10 pouces bleus, on va en vacances. Si vous voulez qu'elle aille, mettez un like et puis voilà. Vas-y, ciao.